Salut tout le monde et salut tout le monde, c'est The Réunion 34, j'espère que vous allez tous très bien. Donc Et salut tout voilà, le monde, aujourd'hui c'est on se The retrouve Réunion sur 34, j'espère FIFA que vous allez 15. tous On très est bien. actuellement le Donc voilà, aujourd'hui on mardi se retrouve 19 sur FIFA septembre. 15, on est actuellement Et j'ai le réussi à me mardi procurer 23 septembre. Et j'ai réussi à me FIFA. procurer. Donc voilà. On va partir tout de suite sur une ouverture de pack. Gros pack opening les gars, vous voyez le nombre de points que j'ai. Donc je vous explique pourquoi j'ai mis autant de points. Tout simplement parce que j'avais un avoir, j'ai revendu un jeu à 50 balles. Et j'ai gagné il n'y a pas longtemps au côté match. Mais justement hier j'ai gagné 36 euros côté match et 100 euros un jeu à gratter, voilà tout simplement. Et du coup je me suis fait plaisir. Et j'avais déjà 120 euros sur mon compte PSN, tout simplement. Et la vente de crédit sur Foot 14. Donc voilà, je vais ouvrir je pense jusqu'à 20 000 points FIFA et après on fera le reste demain avec la nouvelle Team of the Week. Donc ça je pense vous l'aurez mercredi, je pense, ce pack, ou ce soir, même dans la soirée peut-être. Et on fera le reste demain. Donc voilà, c'est parti, on va ouvrir le premier pack sur Foot 15 les gars, je suis vraiment ouais, excité, ça fait plaisir, hein, j'ai réussi à l'avoir ce soir. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va me dire? Là, ça va mettre du temps, j'espère que ça va pas trop laguer. J'espère que ça va pas trop laguer. Ça met un peu de temps. Bon, la première cinématique on l'a laissée, alors ce qu'on va voir pour le premier pack Foot 15. Et Roberto Firmino, Aruna Kone, ah ça c'est vraiment pas mal. Donc ça je vais garder, de toute façon je vais garder à part lui peut-être parce que. Merde, je voulais pas le garder. Putain ouais. Ça va laguer à mon avis d'y avoir au taquet de gens dessus. Ça on va garder les contrats bien évidemment. On va garder, on est là ensemble pour un petit moment je crois les gars. On est là au moins pour 3 quarts d'heure de vidéo. Allez. Ah ouais, si ça fait ça, on n'est pas prêt de sortir de. Le logo de la Grèce, ok, on va garder le maillot du Verder. Le problème, c'est que moi, les gars, je taffe demain. Alors, je vous parle, je taffe demain, mais je sens que je vais rester sur la console jusqu'à 2-3 heures du mat. Je dois me lever à 8 h, même pas, je dois me lever à 7 h 30. Ça va être chaud, ça va être vraiment chaud. Et bon, par contre, demain, à partir de 4 h dans l'après-midi, je suis en repos jusqu'à samedi fin, je reprends samedi matin. Donc là il va vraiment y avoir moyen de le saigner. Je vais vous proposer quelques vidéos. Je vais essayer du moins si j'ai le temps. Et Julio César, Marco Verratti, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, par contre les gars, Nekunam, vous m'excusez, je vais pas du tout le garder, ça m'intéresse pas. Nekunam ne m'intéresse pas. Tac tac, voilà, mes crédits, ça fait plaisir. De toute façon les gars, si on ouvre tous les points FIFA, j'ai calculé, même si on n'a rien dans tous les packs, on sera à peu près à 200 et quelques mille crédits, même en ouvrant tout. Voilà, donc je vais pas trop me plaindre, mais bon j'espère quand même choper du lourd, hein. Ça serait c'est le but d'un pack opening, hein. C'est de choper du lourd, le but d'un pack opening. Tac, ok d'accord. Nordvite, ouais ça peut être sympa. Gokhan Toré, ça peut être sympa ça aussi. Bon par contre non, Nordvite, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, bon par contre ça lag, je suis désolé, c'est pas ma faute les gars. Allez. Allez, casse-toi avec ta gueule de vieux con. Tac. Bon, voilà, les contrats bien évidemment, ça je vais les garder. Ah, c'est long les gars, je suis excité mais c'est assez long. Allez, une forme équipe. Allez, nous on n'est pas là pour attendre 3 heures, nous on veut ouvrir des packs, on veut ouvrir 17 000 et quelques points FIFA. Voilà. Bon, 17 000 points FIFA, ça fait quand même pas mal de packs, ça fait plus d'une centaine de packs déjà. Oh! Oh yes, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir, Mats Hummels. On va aller voir les prix sur le marché de Mats Hummels. D'accord, ça c'est bon, ça fait plaisir. Donc je pense quand même les gars le revendre parce que Mats Hummels, je vais pas spécialement m'en servir, je vais le mettre sur la liste des transferts par contre. J'ai oublié de mettre l'élément 80 sur la liste des transferts. Ça risque d'être un peu gênant. Mais bon après, je le ferai après la vidéo, tranquillement. Ah, Mats Hummels. Ça c'est cool. Une erreur, ok. Oh putain les gars, ça va bugger, je suis désolé. J'essaierai de vous couper ça au montage, on verra. Oui mais attendez, Monsieur Papers qui me parle sur Skype. Ouais, tac, tac. On va aller vite fait retourner sur FUT.
Donc voilà, on revient. Voilà, tac. Ouais, bon. Je veux ouvrir des packs, moi je veux pas que ça bug comme ça. Moi je pense les gars que mon Rata ça doit peut-être pas valoir. Ça doit pas valoir une fortune, mais on va quand même le mettre sur la liste. Maillot de l'équateur, on va garder. Tout ça, on va jeter. Ouais, on s'en fout de Zlatan, sérieux. Enfin, on s'en fout. Non, si je pouvais le choper, alors je crois que je casse, je me jette par la fenêtre de ma chambre, moi. Je casse tout. Matsumels quand même, on s'est mis bien, on s'est mis bien là. Tac, allez, on skip. Walter Samuel, Gentner avec un gros physique, ça peut être intéressant. Critchito aussi. Abdelaouer. On va le mettre sur la liste. Ça, on va garder. Bon, par contre, là, ce qu'on a eu de rare, c'est vraiment de la merde. Les former, enfin, de la faire en équipe, c'est pas de la merde. Mais avoir un rare Pays-Bas, quoi, enfin, un truc championnat pour les entraîneurs des Pays-Bas, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est un peu de la chiasse. Ah, ça met du temps, ça met du temps. On a vu les serveurs, vu que le jeu sort normalement que jeudi, les serveurs sont déjà un peu doivent être saturés. Espérons que cette année, les gars, il y a vraiment des bons serveurs, parce que s'il y a vraiment des serveurs de merde, ça va pas le faire. Allez, putain, ça va déjà 6 minutes et quelques qu'on est ensemble et ça bug comme ça, on n'est pas prêt de sortir les gars, on n'est pas prêt d'arriver à la fin des 20 000 points. Allez, on skip. Toraman, je vais le garder, je compte me faire une comment ça s'appelle, une D1 turque. Fedja, ouais, ça c'est pas mal, Fedja. Lestienne pour une petite Serie A, ça peut être pas mal également. Lui c'est quoi le blessure, mais ça on s'en fout des blessures. AVGA, on va le mettre sur la liste des transferts. Ouais voilà, on va faire pour l'instant, on va mettre ça comme écusson les gars. Le Mordovia Tsaransk. Ah oui, il faudra que je fasse les tâches manager aussi également. J'avais oublié qu'il y avait ça. Bon ça je le ferai après la vidéo, hein, tranquille, posé. Bon les gars, on le skip ou on le skip pas? Bon on le skip pas mais je regarde. Et on a... Ah, Javi Garcia qui est vraiment pas mauvais du tout. Javi Garcia, ouais. Carrizo, il est passé milieu défensif, Carrizo. Bon, c'est pas grave, je vais le vendre. Bon, ça, on va le garder quand même. Lui, je pense pas qu'il se vende là, Bryford. Donc, Perrin, j'aurais pu. Ouais, non, je vais pas. Le logo de Al Hilal, je sais pas s'il se vend. Al Ahly, pardon. Ouais, je pense qu'il va se vendre celui-là. Par contre, je pense que celui-là risque de se vendre parce qu'il est vraiment très, 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 très beau. Ah les gars, on a à peine ouvert 1000 et quelques points, ça fait déjà 8 minutes. Ouais, avec Walker, c'est pas mal. Non, Burkitt, j'en veux pas. Martins, cool. Ah non, je voulais pas garder elle, moi. Ouais, ça, on va garder, on va garder. Allez. Maillot, non, il est vilain. J'en veux pas. Burk. Ouais, maillot, en fait, c'est le maillot de Montpellier, le maillot domicile de Montpellier. Et le maillot... domicile des Young Boys de Berne qui ressemble beaucoup à celui du Borussia Dortmund. Donc voilà, je l'ai mis parce que je le trouve joli. Voilà, je pense qu'après la vidéo aussi les gars, je vais me créer une petite équipe. Je sais pas du tout encore, je vais voir. Ah ça c'est beaucoup, c'est bon ça. TT, Rami, deux styles. Ah ben les premiers styles que j'obtiens. Allez, putain, c'est long les gars. Franchement, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Allez, voilà. Hop, hop. Allez, putain, ça m'énerve. Allez, voilà. Œil de lynx, bouclier. Allez, voilà, Atalanta, non? Ah, le maillot de l'Ajax, il est joli. Hop. Allez, gars, il nous reste encore 16 000, 16 000 points FIFA à ouvrir, ça va être long, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Boruk, Umit Korkmaz, pas mal. Ah, il est pas mal, je le garde. Levin Kurzawa, je le garde, c'est vraiment en arrière-gauche pour ma Ligue 1, je pense. Au bout du mot, je sais pas, je verrai les prix déjà. J'ai pas envie de tomber à la renverse de ma chaise. Allez. Bon pour l'instant les gars, Matsumels, 15 000 crédits, c'est pour l'instant le meilleur joueur qu'on ait eu. C'est pour l'instant le meilleur joueur qu'on ait eu, bon c'est déjà pas mal, hein, on va pas se plaindre.
Bon, par contre, si ça voudrait bien. Ça voudrait bien, voilà, faire ça, hein, comme ça, hein, tranquille. Oh là là, ça va pas me le faire, ça me le fait à chaque carte, les gars, on n'est pas sorti, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde si ça le fait à chaque carte. Sangha, Maestro. Oh là, ça on va le jeter parce que franchement Borouk les gars, c'est pas un gardien que je prendrais pour me faire des équipes quoi. Avec les quelques critiques que je vais avoir, enfin, il est pas mal. Et on a eu quoi? Barovero, d'accord, Lustenberger, Salvio, Salvio on va le garder. Salvio ça m'intéresse. Tac. Bon de toute façon maintenant il y a Quaresma pour les D1 portugais, il y a Quaresma, il y a Nani. Ça va être chaud de faire une équipe parce que moi je pense que je vais jouer un 3-4-3 avec Quaresma en AD et Nani en MD. Au moins là il y aura du skill d'un côté. Portland je vais le mettre avant parce qu'en général les maillots de. Les maillots, pardon, les écussons de BPL ça se vend. Le stade ouais, on va le garder parce que le mien, c'est un stade tout bidon que j'ai. J'ai cru halluciner, j'ai cru qu'on avait parlé sur Facebook. Je regarde ici qui c'est qui me parle. Ouais, je regarderai plus tard, je répondrai plus tard. Oh, Thiago Motta, les gars, ça c'est cool. Je suis pas vraiment fan du joueur, hein. Je suis pas vraiment fan du joueur, mais c'est cool. Après Mauricio, qui est pas mauvais, et Alberto Moreno, lui, je sais qu'il est bon. Hop, Architecte et Motta. Mais je sais que les gars, demain, enfin là, après avoir fait la vidéo, je sais que de voir autant de points FIFA que j'aurai là, les 20 000 et quelques. Je sais que ça va me cramer les doigts, hein. Je sais que je vais avoir les doigts qui brûlent. On va ouvrir ce pack, comme ça fera un chiffre rond. J'aime pas en haut quand ça fait pas de chiffre rond. Donc voilà. Bonera, Coad, Mirano. Je veux pas garder tout ça les gars, je garde pas. Lui là quoi. Kaboul, ouais, on va garder. Kaner Erkin, on va garder. Montero, on garde. Bonaventura, est-ce qu'il a? Oui, yes, il a 3 étoiles, je garde. Et Henri Redknapp. Après le reste, ouais, ça m'intéresse pas. Peut-être les gars ça se vend, hein. Peut-être ça se vend, mais franchement ça m'intéresse pas, je vois pas pourquoi je vais le garder. Donc c'est parti, on part avec Grizzy. Allez, Jérémy Mathieu et David Villa, ça fait plaisir, ça c'est cool. Jérémy Mathieu, David Villa c'est quoi le club? Ah toujours à Melbourne, putain ils l'ont pas mis à Gollum, ouais, Gollum. Hein, tac. Après le match, pff, alors moi les gars, excusez-moi, mais après la vidéo, j'irai m'acheter tout ce qui est ouais, dans les catalogues, tout ça pour avoir des bonus crédit match, enfin tous les bordels. J'ai déjà Messi en prêt, pourquoi pas faire une attaque Messi avec Gareth Bale aussi également en prêt. Et je sais pas, peut-être je vais faire une review, je pense que je vais quand même faire une petite review de Léo Messi ou de Gareth Bale, je sais pas encore. Allez, allez Griezmann. Allez, je vais quand même le garder parce que ça peut-être ça va se vendre. Bon, par contre lui les gars, on va pas le garder, Kruse. Oh, putain que c'est long, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Clasie, on va le garder. Ça c'est quoi forme? Ouais justement ça on va le garder. Ouais, je pense aussi que je vais vous faire une carrière. Pour l'instant les gars. Le mode carrière sur Twitter, le nombre de votes qui a été le plus choisi, c'est le Milan AC. Donc je pense, je vais prendre le Milan AC également. Je vais prendre le Milan AC. Et moi de mon côté, je me ferai ma petite carrière avec le Montpellier Hérault, voilà. Parce que c'est quand même mon club de cœur, mon club favori, la ville où je suis né, là d'où je viens. Donc voilà, je prendrai, je pense, Montpellier en personnel et en carrière manager YouTube. Je prendrai le Milan AC, voilà, le renouveau du Milan AC. On se skippe pas, on va laisser. Ouais, Gonzalo Higuain. C'est pas mal. Gonzalo Higuain. Tarasov, d'accord. Trap. Ouais, après, ce qu'on va faire, lui, on va le mettre sur les. Voilà, directement comme ça. Voilà, hop. Tout ça, on va jeter, hein, tranquille. Hop. Allez, Grizzy. Allez, Grizzy. Ah, dédicace à mon poteau Joker. Dédicace à mon poteau Joker. Au zinzin. Lamine Sané. Alors, je pense que je vais le prendre pour faire une petite ligue, hein, Lamine Sané. Mais non, putain, pourquoi je l'ai gardé, lui, le vieux, là. Le vieux sadique. Casse-toi. Allez, zap.
Les gars, c'est long, je suis désolé. Voilà. Hop. Logo de Schalke. Ouais, je m'en fous du logo de Schalke. Par contre, le logo là de Maritimo, il est vraiment pas mal. Je vais le garder de côté. Bonerache, les gars. Bonerache. Bonerache, je crois que ça fait 3-4 fois qu'on l'a. Allez, Léo. Hein, les gars, il reste 15 450 points à ouvrir encore. Hein. On est large, on est easy, on est tranquille. Ricardo Carvalho. Oh, ça ne va pas se vendre. Roberto peut-être. Inigo Martinez, je vais le garder dans mon club. Ça aussi, allez. Il y en a peut-être aussi les gars parmi vous qui m'ont rejoint il n'y a pas très 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 longtemps. J'ai vu qu'il y en a que j'étais à 1339 abonnés je crois. Avant que je fasse mon explication pourquoi je voulais stopper jusqu'à FIFA 15. Bon, il y a eu un petit match avec Kalou Playfoot. Mais il y en a qui ont quitté la chaîne et j'ai vu qu'il y en a qui avaient rejoint. On était à 1339, on était à 1336 et 1331 maintenant parce qu'il y a eu un petit moment d'arrêt de vidéo. Mais là, vous inquiétez pas les gars, ça va revenir. Ça va revenir vraiment. Oh, envoyé au club dédicace à Joker également. Ça va revenir en force tout ça. Ça va revenir vraiment en force les vidéos. Je vais essayer d'en faire le max. Le max, les gars. Bon, moi, vous m'excusez, mais vous savez comment je suis. Si j'ai envie de fumer, péter, roter, faire n'importe quoi dans la vidéo, je le ferai. Amateur de pack. Oh putain, j'ai cru que c'était un truc, un gros joueur qu'on a vu. Bon, le temps que j'allume ma clope, je regarde pas ce que j'ai dans le pack. Je sais, les gars, c'est pas bien de fumer. Fumez pas. Oh, ben tiens. Un joueur, j'avais vu dans le pack opening à Zizou, je crois, si je dis pas de conneries, ou Noonman. Et je le voulais, lui, ce joueur-là, Atiba Hutchinson. Ah, il est mortel, il est mortel, il est grand physique. Papy, ceci, c'est, tiens, on va te regarder, tiens, tu peux être utile, t'es pas mon, t'as pas l'air dégueulasse. Enfin, si, en fait, t'as l'air dégueulasse. On va le garder quand même, Papy, si c'est. Les contrats aussi. Non, ça doit pas se vendre, ça doit pas se vendre. Mais les gars, par plus de précaution, je pense, je vais le garder. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble déjà? 17 minutes, putain, normalement, 17 minutes, je l'ai torché, le pack opening en général. On va le mettre, ouais, voilà. Logo de la SSE, une équipe que j'aime bien, mais qui devrait vraiment, vraiment, vraiment se bouger le cul en Ligue Europa, quoi, parce qu'aller faire match nul contre un club azerbaïdjanais, faut vraiment le faire, quoi. Akil, il joue lui en Turquie, ouais. Ouais, mais non, mais je veux pas, il y a 2 étoiles de geste technique, je veux pas ça, moi. Hop. Hop. D1 Turc, ouais, bah ouais, parce que si j'ai pas d'entraîneur de D1 Turc, si j'arrive pas à choper Fatih Terim, je suis dans la merde. De toute façon, c'est une des premières équipes que je vais me faire, les équipes turques. Allez. Steven Naismith, lui ça peut être pas mal, il est bon en vrai. Yann Mvila aussi. Hop. Bon, non, les maillots, le maillot il est dégueulasse, le maillot je le prends pas. Allez, là il nous faut un gros joueur pour faire plaisir là. Allez, on skip. Naldo, c'est cool ça. Ça c'est cool. Pour une Bundes aussi, je vais me faire plein d'équipes, je vais me faire au taquet d'équipes les gars. Le maillot de Catane en général ils sont pas trop moches. Celui-là en fait il est moche cette année. Allez, encore Higuain. Lennon. Bon, Lennon pour une BPL low cost, je pense que ça fait l'affaire. Schmiedebach. Ouais, 1000 crédits, 1000 crédits. Allez, hop. Hop. L'Eintracht, le maillot de l'Eintracht, Francfort. La saucisse de Francfort. Allez, on continue. Il reste encore 14 700 points, les gars. On n'est pas dans la merde. J'ai pas vu ce qu'on a eu. Ouais, Navarro. Varela, ça c'est cool pour une BPL également. Hermann pour une petite Bundes. Ou en plus 3 étoiles. Donc bon, dommage qu'il n'en ait pas 4. Mais bon, on va pas se plaindre. 3 étoiles, c'est déjà pas mal. Au moins, tu peux faire la roulette. Allez. Je le fais quand une partie vu que sûrement que après je vous ferai. Vu que demain je vais vous faire un autre pack opening, je pense. Je dis qu'il sera peut-être ce soir celui-là les gars, mais il sera peut-être demain, mercredi.
Si j'ai le temps, si je finis pas trop tard, ouais, je pense qu'il sera mercredi vers 18h, 19h. Je sais pas, soit ce soir, soit demain. Vous verrez bien de toute façon sur Twitter pour ceux qui me suivent ou quoi. Et on a eu Alan, c'est pas mal. Non, en fait, non, c'est pas mal, il court pas vite. Ouh, Perea. Ou Perea et Dale Eblin. Ça aurait été bien d'avoir un Van Persie. Ouais, par contre, Perea, je vais juste aller voir son prix. Sur la, voilà, comparer prix. Ah, d'accord. Ouais. Je me suis un peu enflammé, ouais, d'accord. Bon, je vais le garder dans le club, le Perea. Bon, après, les gars, vous comprenez, Postiga, Mirante, Moraes et Alan. Zap. J'en veux pas. Allez, let's go. Nolan. Joe Allen. Ouais, c'est Joe. Ouais. Rudnevs. Ok. Ouais, non. C'est dommage, pour l'instant les gars, on n'a pas tellement de. Allez. On n'a pas tellement de gros joueurs. On a eu Mats Hummels. On a eu Mats Hummels, que c'est vraiment pas mal hein, quand même. On va pas. Mais je pense que je vais le revendre Mats Hummels. Parce que là en ce moment, et le début du jeu, les gars, il va valoir cher. Et genre peut-être dans un mois et demi, il vaudra moins cher. Donc autant me faire des crédits maintenant, gagner un peu d'argent maintenant et le racheter genre 5000 crédits dans 1 ou 2 mois, voire 3 mois. Allez, Timo Ward. Allez, Oscar Wendt. Ça, je peux garder parce que c'est pas mauvais. Carisso, ça aussi. Ouais, c'est franchement, c'est des joueurs. Les joueurs ont l'air pas mal cette année. Le truc MOCMC, je sais, ça se vend. Ça doit se vendre pas mal, ça. Ça doit se vendre pas mal, MOCMC. Donc, ouais, en fait, j'aurais dû le garder parce que je vais sûrement faire une lecture avec Diego, Snyder, tout ça. Donc, ouais, j'aurais dû le garder. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est toujours dans ma liste de transfert. Voilà. Le logo qui ressemble à Montpellier un peu. Le logo du FC Bruges. Pour tous les Belges. Pour ceux qui me suivent, je sais pas s'il y a des Belges qui me suivent d'ailleurs. Manifestez-vous. Allez. Allez, on skip pas celui-là. D'accord. Thomas Sivok. Ouais, c'est Thomas. Thomas Sivok, Thiago Neves. Daryl John Matt. Ah lui on peut le garder. Merde, je voulais le garder, je l'ai mis dans la liste des transferts. Ça c'est l'habitude de la fin de foot 14 les gars. Où tu jettes. Enfin où tu mets tout sur la liste des transferts parce que y a rien qui vaut. Y a rien qui vaut quoi. Neves, on va garder. Hein. L'Emirates aussi, 1000 crédits. Allez. Est-ce que j'ai des notifications sur Twitter pendant que je fais la vidéo? Ok si. Ok oui Pepper, je suis en train d'ouvrir, tu verras quand tu verras. Mon poulet. Wow, non, j'ai pas de notification, du moins j'ai pas fait attention. Lafitte, d'accord, Cardenas. 4 étoiles, je sais qui ça par contre, on va garder. Granero, ça m'intéresse pas du tout. Le logo de Manchester City, ça doit peut-être valoir vu qu'ils sont actuellement champions. Ils sont champions. Donc ça doit peut-être valoir. Hop. Allez. Ouais, les Turcs, ils sont que des maillots blancs ou j'hallucine? Vous avez vu tous les maillots turcs qu'on a chopés depuis le début du pack opening, les gars? Enfin, que j'ai chopé et ils sont tous blancs. Bon voilà, 23 minutes déjà, il nous reste 13 650 points à ouvrir. Corona, Zuru. Ah, Djiloboji, ça fait plaisir, je le voulais pour ma Ligue 1, Djiloboji, voilà. C'est ça. Tac. Non, voilà, c'est ça. J'ai cru que j'avais gardé la forme joueur. Il est joli celui-là. Il est joli. Il est joli le maillot de la Samp, j'aime bien. J'aime beaucoup d'ailleurs même. Faut se réveiller, eSports. Allez, on a eu quoi? Santa Cruz, trop bien. Sigurdsson, ça je vais garder parce que j'aime bien ce joueur également. Allez, putain, sans déconner, oh. Allez, hop.
Le maillot du dîner. Oh putain, les gars, on va choper que des maillots blancs ou c'est ça se passe comment? Sérieux, j'en ai marre de choper que des maillots blancs. Moi, je veux de maillots. Maillot, des jolis maillots, quoi. Je pense que je vais m'acheter le maillot de l'Arsenal tout là aussi, hein, en Russie, les gars. Je sais, vous avez les crédits, je pense que celui-là. Il est magnifique. Il est magnifique. Allez. Putain. La boutique connaît actuellement des difficultés. Non, tu connais pas de difficultés. Moi, je vais ouvrir. D'accord. Ok. Oh voilà, vous voyez que j'ai Messi avec l'offre de précommande du jeu, les gars. Parcourir pack, mise à jour catalogue boutique. Allez, ouvre-toi là, putain. Voilà. La boutique, oh, putain. Bon les gars, ce que je vais faire, je vais vous faire une coupure et jusqu'à temps que ça remarche, à part si ça veut marcher maintenant. Ok. Bon voilà, je vais vous faire une coupure les gars et vous retrouverez directement vous retrouverez directement au niveau du pack, enfin faire la reprise des packs opening, du pack opening. Allez, à de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve pour l'ouverture de pack. Donc voilà, j'ai eu ça dans le pack. Ansaldi, Wahbi Khazri, j'aime beaucoup en vrai aussi. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Franchement, dès que je le vois jouer, je prends vraiment, vraiment, vraiment de plaisir. Dis donc, c'est le pack opening de la dédicace pour Joker. Entre Wahbi Khazri, Lamine Sané, le maillot d'Arsenal. Tout ça. Allez, Atanasta, voilà le nom, Anastasiadis. On arrive à le prononcer. Allez, ça en gare, ça en gare. Voilà. Allez, ça on va jeter. Bon, en attendant les gars, j'ai acheté des trucs pour mon. J'ai acheté des trucs pour mon. Comment il s'appelle? Pour mon pro en ligne, voilà, tout simplement. Je pense que là j'ai dû vraiment bien l'augmenter parce que je suis niveau 93 je crois en ligne, enfin mon niveau y est machin là.
Du coup, j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter. Et franchement, à mon avis, ouais, il va être pas mal. Et on regarde, on a quoi? Denis à Ogo. D'accord. On va garder, hein, parce que je sais pas du tout si ça vaut. Alors, voilà. Là, vraiment, les gars, je vais faire un jeu de mots, mais dégueulasse. On a eu un pack de merde avec le maillot de Lanus. On se la régale un peu, non? Un bon pack de merde avec le maillot de Lanus. Au top. Au top. Allez. Ça fait déjà une demi-heure qu'on perd. Barouba, j'ai skippé. Ça peut être pas mal. Marquinhos, c'est un Brésilien. On va garder. Après, le Paredes, mes couilles là. Et le Barreau, machin. Ouais. Oh, il est vilain. Ils ont plus la licence pour maillot de la Russie. Pour pas mal de maillots, ils ont plus la licence. Je crois la Belgique, tout ça aussi, j'ai vu, je crois. Sur quelques packs opening. C'est dommage. C'est dommage. Allez, hop. Ouais, Benaglio. Dédicace à mon poteau Néoxyde, le Suisse. Le petit Suisse. Enfin, le petit Suisse. Le vieux Suisse. Le vieux. Ouais, le vieux. C'est très bien, je rigole, je rigole. Allez, on continue là, parce que là, on n'est pas sorti encore. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Tac. Andrasel. Ouf, ouf. Andanovic, ça, je garde. Fégouli, je garde parce que je vais me faire sûrement une BBVA avec Messi, je pense, parce que vu que j'ai Messi, les gars, autant profiter, hein, pour 5 matchs, franchement, autant se faire plaisir. Allez, j'espère que les aussi, j'ai vu les gars, on pouvait s'apprêter genre Gareth Bale, tout ça. J'espère que chaque semaine, Baumgartlinger. On va regarder. J'espère que les joueurs chaque semaine ou chaque 2 semaines changeront, genre, parce que là on avait plus à se préférer prêter Bale, on peut se faire prêter Bale. Il y a Bale, j'ai vu, il y a Lewandowski, Snyder, Matuidi. Il y a qui? Ouais, voilà. J'espère que ça va pas rester comme ça tout le temps, parce que sinon, franchement, si tu peux même pas te faire prêter Cristiano ou quoi, ou Zlatan, Robben, Ribéry, enfin, ou d'autres gros gros joueurs quoi, comme ça. C'est vraiment dommage. Et on a, c'est Ben Foster ou Fraser? C'est Fraser, c'est ça. Ouais, c'est BPL, donc ça doit toujours valoir quelque chose. Vous voyez, je me suis mis la liste des transferts à 100 aussi, les gars. En attendant. Hop. Maillot de l'ASM. Ouais, il est sympa. Bon, après ça, je vais jeter parce que ça m'intéresse pas tellement non plus, hein. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que quand même ce pack opening vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like ou quoi. Ça fait toujours plaisir. Davis. Barclay. Ouais, Ross Barclay, pas mal. Lui joue en... Ok. On va pas le garder. Ça doit valoir une merde, ça. Hop, les soins. Allez, putain. C'est long, il reste 12 000 points, les gars. Je sais pas à quelle heure on va finir. Je crois que j'ai commencé le pack opening, c'était 8h25 ou par là, ouais, 8h30 ou quoi. Et on n'est même pas à la moitié. On n'est même pas à la moitié. Bérami, alors Bérami, je kiffe beaucoup lui aussi. Je kiffe pas mal de joueurs, les gars. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais. Mais franchement, il y a des joueurs vraiment vrais que ils sont sous-cotés, quoi. Enfin, ils sont pas dans des gros clubs et pourtant ils ont un niveau. C'est vraiment un très 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 bon niveau. Aïe, putain, je tape dans le casque en plus. Putain, je fais mal. Allez, hop. Ah, le maillot de Hull, tiens, on va le garder. Ça peut être sympa aussi. Hop. Bon, les gars, on est déjà à 40 000 crédits. Donc, je pense qu'il y a de quoi de se faire une petite BBVA bien sympa. Avec les trucs que j'ai eu dans les packs déjà. Pour commencer. Belözoğlu Emre, putain, il est en... Ouf, je kiffais. Voilà, les gars, j'aimerais. Je kiffais, ouais, ça c'est pas mal. Colantuono, non? Bon, après les deux là, Darida et... à part s'il a 4 étoiles, Darida, je garde. Ouais, ben non, voilà. 32 000, les gars, 32 000. Et voilà, à partir de là maintenant, les gars, à partir de ça, après ce pack, il nous restera 80 packs encore. Alessandro Matri, Ben Yedder, on va garder Ben Yedder, ça peut être sympa. De toute façon, pour le début de ce FIFA, faut garder la plupart des joueurs. Ouf! Oh là là, magnifique. Magnifique, magnifique. Avec le Jaguar en plus sur le côté, regardez. Pouf!
Ah, il est vraiment beau. Il est vraiment très 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 beau celui-là. Allez. Ah oui, il a signé là-bas, Keita. Oui, je vais le garder, j'aime bien lui aussi. Je vous dis, lui aussi j'aime bien. Enzo Pérez, tiens. Enzo Pérez, pas mal. Oli, ça peut être sympa aussi pour une BBVA. Putain les gars, je me trompe, je suis désolé. C'est la fatigue du boulot pour une Bundesliga, pardon. Une Bundesliga low cost. Alors toi, t'as une tête comme mon collègue. Rentre chez toi, va te cacher. Bon, je dis pas que ma tête elle est forcément mieux, mais... Allez. C'est long les gars, c'est long. C'est énervant. C'est énervant. Tac. Allez. Normalement, les gars, demain aussi, il devrait y avoir dans la Team of the Week, il devrait y avoir Cristiano Ronaldo, je pense, parce qu'il a mis, je crois, un triplé ou un doublé, ou je sais plus trop quoi, je vois pas trop les matchs du Real, moi je suis pas fan du Real, mais il devrait y être normalement, et ça serait vraiment... Bon, ce serait inespéré de le choper, je pense, hein, faut pas trop rêver, on va laisser la cinématique, et on a, ok, Saliovic. Saliovic qui a une note, enfin, il est pas mauvais, mais... Van Ginkel, tiens, on va regarder, Van Ginkel. Ancien joueur de Chelsea, enfin, on peut pas dire que c'est vraiment été un joueur de Chelsea parce que de la saison, je regardais les matchs de Chelsea, il a quasiment pas joué, voire ouais, voire presque, enfin ouais, quasiment pas, voire pas du tout, enfin je l'ai pas vu en tout cas. Karimagi, ok. Da Costa, lui il était à Argent sur fut 13, il me semble. Après Keylor Navas, tiens voilà pour la BBVA, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, par contre, Karimagi, quoi. Il me semble qu'il jouait à Strasbourg avant. Il faudrait que je demande à The Easy Skill. Il doit savoir si Karimagi jouait bien à Strasbourg. C'est Agui ou Regragui, mais je crois que c'est bien Karimagi qui jouait à Strasbourg. Mais il y a un petit moment de ça, vu qu'il a le même âge que moi, je crois. Ou il a un an de plus, ou un an de moins, je sais plus. Bref, on n'est pas, on est à un an d'écart, mais on est pareil. Et je sais qu'il est fan de Strasbourg, enfin de là où il vient quoi. Et il me semble que lui joue à Strasbourg. Alors les gars, je veux pas vous dire de conneries. Allez, putain, moi je veux... Putain, c'est énervant les gars, vous savez pas comment c'est. C'est frustrant d'être là à attendre que ce petit rond de merde là, il s'en aille. Voilà, c'est frustrant. Frustrant, mais en même temps, c'est vraiment excitant d'ouvrir des packs là. Il reste 11 550 points, 11 400 points à ouvrir. Enfin, allez, Viscarondo, d'accord, ouais, Viscarondo, ouais, j'en veux pas. Hein. Ça, enfin les trois joueurs là. Piatti, il est parti à l'Impact Montréal. Pourtant Piatti, en plus il était argent, je crois, l'année dernière. Ouais, c'était Piatti qui était argent, il y avait Perotti qui était en or, avec 5 étoiles mauvais pied. Perotti par contre, ça c'était sympa. Ah d'accord, il a perdu les... Je crois qu'il avait 5 étoiles aussi mauvais pied ou 4 étoiles. Ouh, le maillot de Elche. Bon, on va les garder. Et franchement les gars, on a des maillots, des petits maillots bien sympas là. Ça va être cool là pour commencer à faire une collection de maillots. Enfin des maillots beaux maillots, hein, parce que les maillots vilains, j'en veux pas. Allez hop, on passe. Carlos Vela, c'est ça. Tremoulinas, c'est cool ça aussi. Yes, je suis content. On part en Old B les gars, c'est pas un joueur qui m'attire. Voilà, le maillot du Celta il est pas mal. Un pack gratuit, d'accord, ça fait le deuxième qu'on chope. Fait le deuxième qu'on chope. On va aller l'ouvrir de suite comme ça au moins c'est fait. Je vais en choper un petit joueur là-dedans. Alors là, l'année dernière j'avais chopé avec les packs Foot World Cup. Là vous savez, on avait un pack gratuit sur Foot Normal. J'avais chopé Agüero et dans un autre pack j'avais chopé Di Maria. Et franchement j'étais devenu zinzin quoi. Allez, Eichinga. Ouais, fouah, non ça franchement les gars, ce pack-là je peux pas, je le garde pas. Je garde aucun joueur. Je vais essayer de me composer des équipes déjà, genre commencer une Serie A, commencer une Barclay, commencer une Ligue 1 avec les joueurs que j'aurais eu dans les packs que j'ai gardés. Hop. Ah ça, vous inquiétez pas, hein, d'ici ce week-end, genre jeudi ou vendredi je pense. Ouais, plutôt vendredi ou jeudi, même il y aura jeudi, il y aura peut-être double upload de la vidéo du pack opening de demain.
Et un squad builder, je pense, on verra bien. Yacine Brahimi, cool. Douglas, ça peut être pas mal. Chiri Chess aussi pour une BPL low cost. Ouais, ça c'est franchement c'est cool. Le maillot du Elias Veron, non, je l'aime pas trop. J'aime pas trop les trois maillots, donc du coup, ciao. Allez, on continue. 40 minutes déjà. Wanyama! Oh là 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 là. Oh, c'est une bête, c'est une bête. Ah, en plus, il est pas cher du tout, les gars. Franchement, à mon avis, celui-là, achetez-le. Achetez-le. Parce qu'à mon avis, Wanyama, ça va être vraiment, vraiment, vraiment solide, je pense. En plus, si vous lui mettez un style, ouais, je pense rock, voilà, justement. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal, Vincent Wanyama. Je vais rebrancher ma manette parce que si jamais il n'y a plus de batterie après, je suis dans la merde. Tac. Fletcher, Aranich, Finbo, Gigliotti, Goumelou. Je vais pas prendre Gouelou. Walou. Walou. Excusez-moi 2 secondes, je supprime parce que genre sur mon portable je reçois mes notifications Twitter dans ma boîte mail. Donc voilà, hop, le logo à Milano. Les Nerazzurri, pardon, c'est l'Inter, excusez-moi, quelle erreur j'ai fait. Moi je suis supporter du Milan qui dit que. Oh là là, supporter du Milan AC, je sors quoi que les Nerazzurri c'est. Les Nerazzurri, je sors que c'est le Milan AC. Alors les gars, là j'ai fait une erreur. Vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires, tous les supporters du Milan. Non, bah, ouais, les Rossoneri, voilà. Allez. Ah ouais, l'Inter c'est les Nerazzurri, les Milanais, les Rossoneri, la Juve c'est les Giallorossi, la Juve, pardon, la Roma c'est les Giallorossi, et la Juve c'est les Bianconeri, il me semble, ouais. Pays de Galles, oh il est pas mal, bon. Au logo, moi je vais prendre celui de Montpellier, voilà, ou celui de la France, quitte à être fier d'être français. Allez, on a eu quoi? Joufre, d'accord, Romagna, Rafa. Pff, ah non, Rafa, enfin, est-ce qu'il a 4 étoiles? Est-ce qu'il a 4 étoiles? Ouais, hop. Ah, les musiques, elles sont pas mal. Enfin, vous ne vous l'entendrez pas. Hein. Mais moi, je les entends. Allez, là, vite. Hop, ça, on garde. L'Entracht, encore le maillot de l'Entracht quoi. Allez, let's go. Continue hein, les gars, il reste 10 350. Ouh, ça sent le cheat. Ça sent le cheat. Mambi Amdiouf. Ça c'est. Je vais pas me plaindre, hein. Je vais pas dire oh il est cheaté. Donc voilà, moi je. Mais, quelle horreur. J'ai rien contre les Italiens, moi. J'ai rien contre les Italiens, c'est juste l'équipe que j'aime pas. Enfin, c'est la sélection, voilà. C'est plus la sélection. C'est pas les clubs ou les joueurs en particulier. C'est la sélection. Mais oui, pour ma Ligue 1, Serge Gakpé, je le voulais. Perfecto, Moisander, on va pas le garder. Le maillot de Bursaspor, il me semble que je l'ai vu hier en regardant le match Bursaspor-Beşiktaş, pour mon côté match où j'ai gagné d'ailleurs. Avec le but de comment il s'appelait? Olcay Sahan, je crois. En plus je crois que je l'ai au début du pack opening à la 87e minute. Ah, ouais. Allez, je crois qu'il est ouais il passe mieux en vrai, il passe mieux en vrai que sur le jeu. On est en train de me parler, on est en train de me parler sur Skype et tout. C'est Peppers qui m'harcèle. Non, je peux pas t'appeler, je peux pas t'appeler. Je commente en même temps. On a eu quoi? Oh d'accord, on n'a pas eu de joueur. On a dû avoir un joueur rare, ouais. Non même pas. Ah non non non, j'avais pas vu, excusez-moi, j'avais pas vu qu'on avait eu les trois cartes rares là. Pong Steelers, ok non. Hop. Bon moi les gars, je vous ai dit, je vous ai. Normalement j'ai dû couper le moment où ça a bugué. Si je l'ai pas fait, c'est que j'ai zappé tout simplement. Hein, mais ça a pas duré bien bien longtemps. Allez Grizzly, allez mon petit Grizzly, il m'amène de la merde. Hulan, ok.
Ouais les gars aussi, je vous ferai peut-être quelques tutos d'ici quelques temps quand j'y penserai. Par rapport au contrat, peut-être des tutos de coup franc, justement, également, ça peut vous plaire, des tutos pour fut. Mais pas des tutos achat-revente les gars, parce que vraiment niveau achat-revente, je suis vraiment... ouais, une bite, on va dire une bite. Je suis vraiment un chibre mou. Donc je vais pas vous faire des tutos achat-revente pour que vous fassiez douille à cause de moi. Donc voilà. Aïe, ouh là 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 là, le pack 100%, enfin 100%, non, ouais 100% Ligue 1, mais plus 99% Montpellier 1, Vito et Lucas Barrios. Oh là bah ça c'est obligé les gars. Ah, c'est obligé que je garde. Tac. J'ai vu que ça se vendait l'autre fois, j'en ai eu un et ça s'est vendu 1000 crédits. Du coup je vais le garder, enfin je vais le mettre à vendre quoi. Allez, putain, allez. Oh, il sort d'où celui-là? Il sort d'où? Pas mal, je vais le garder les gars lui. Hop, après moi, ouais, après on a eu. Il y a un joueur aussi les gars qui a l'air extrêmement cheaté en BBVA cette année, c'est un défenseur argent de Stuttgart, Rudiger, enfin Rudiger, Rudiger, je crois. Il a l'air extrêmement lourd, enfin extrêmement truc de fou, il a l'air vraiment énorme. C'est quoi? Ok, mais ça doit pas se vendre. Ok, il est fou l'air, il est pourri ce joueur. Kaboul, Kaboul, je vais quand même le mettre sur la liste des transferts. Ah, dédicace à mon plus fidèle de mes abonnés, Sergen, le Fenerbahçe. Mais ils finiront pas champion. Ça sera Galatasaray cette année. D'ailleurs, je sais même plus si le championnat il est à la fin ou au début. Mais Galatasaray finira champion. Certic, bah putain, et le Joker il m'envahit dans mon pack opening, celui-là aussi. Ah là là. Par contre, Postiga et James Milner, quoi. James Milner, encore, il serait dans l'axe, il aurait vraiment des bonnes stats en milieu central. Mais là, pour un milieu droit, je vais pas le prendre, quoi. Je veux pas le prendre. Bon, les gars, on va skipper, voilà. On a eu Maxime, joueur 5 étoiles, parfait. Bon, après, ouais, Ricardo Alvarez, Pekarić, le contrat entraîneur. Ouais, non, ça, je vais jeter. J'espère qu'on m'entend bien quand même, je mettrai de la musique en fond pour vous, parce que sinon ça va vous faire un peu long je pense. Voilà, 1 heure de pack opening sans musique, à entendre que ma belle et douce voix. Il faudrait que j'aille aussi sur mon deuxième compte pour vous faire la série Road to Glory quand même, parce que ça serait vraiment un truc que j'ai envie de faire. Là sur mon compte principal j'ai vraiment pas la foi de partir du début donc... Mais sur mon autre compte, ouais, je partirai du début, de zéro, quoi. Je partirai de zéro pour arriver au sommet. Au sommet. Ouais. Putain, ils sont dégueulasses ces maillots, c'est un truc de ouf. Enfin, moi, je suis joueur de foot, tu m'amènes un maillot comme ça, je dis à l'entraîneur, au président, ton maillot, vends-le, crame-le, jette-le, casse-toi, je mets pas cette horreur. Et Remenko qui est parti au CSKA, ça c'est pas mal. Gutiérrez. Alors non. Marquinhos, tiens. Maintenant on a les Parisiens, donnez-moi les meilleurs Parisiens, ça serait bien. S'il l'avait dit, Lucas, David Luiz, Thiago Silva, Sirigu. Et pourquoi pas en option Zlatan Ibrahimovic. Ouais, moi du Mexique est vraiment joli aussi, mais bon les maillots nationaux, franchement je vais garder que celui-là de la France, je pense. Peut-être quelques autres, s'il y en a qui me plaisent, qui sont bien faits. Et on a eu. Oh il est pas. Ouh, lui c'est cool. Il est passé hors Nasser El Chamrani, ça je garde, j'avais kiffé la version boost, la version TOTS l'an passé. Ouais, faut aller, on est blindé, les gars, on a déjà 434 éléments. Bon, il y en aura moins pour la partie de demain, le pack opening de demain, je pense, largement. Parce que je vais vendre plein de trucs, je vais vendre plein de trucs. Je vais vous faire, ouais, je vais vous faire le player review de Messi, je pense, dans la soirée. Je vais déjà le commencer. Johnny Evans, Rodriguez, ouais, non, ça je garde pas. MDAD, peut-être que ça vaut, je sais pas. Enfin, j'allais voir. Ah, le maillot de. Ouais, non, mais je vais garder mes maillots pour l'instant. Je suis fou de mes maillots. Je suis amoureux de mes maillots. Montpellier et Jaguar et Chiapas.
Bah, il reste 8 400 points, les gars, pour l'instant. Pour l'instant, ah oui, J. Rodriguez. Et c'est pas mal. Et franchement, c'est ça la douille cette année. C'est les maillots des équipes nationales qui vont nous compter comme un rare en plus. Ça va nous compter comme un rare en plus. Donc, on a moins de chances de choper. On a moins de chances de choper un bon joueur, on va dire, dans les packs. Ça fait un peu mal aux fesses. Ouais, par contre, c'est sûr que l'Écosse, ouais, ils doivent avoir le vrai maillot vu qu'ils ont le vrai logo. Enfin, je pense. Ouais. Oh, il est joli. Il ressemble à celui de l'Allemagne pour la Coupe du Monde. Bon, hop, ça, on va le mettre sur la liste des transferts. Varela. J'étais même pas au courant d'ailleurs. Pourtant, moi qui suis pas mal les transferts, tout ça, j'étais même pas au courant que Varela était parti à West Brom. Rupert Green, Piatek. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, quoi. Enfin. Puis c'est vache qu'on perd. Le mec, il a la charrette accrochée au short. Robert Green, il a les mains, des mains à faire des mottes et des pieds à les écraser. Bon, le pack gratuit. Bon, les gars, je vais me refumer une clope parce que vraiment ça prend trop de temps. Et pas fumer pour un fumeur pendant un bon bout de temps, c'est assez casse-couille. Oh, Niom, c'est pas mal. Tac, ouais, ça va, ça va, ça va. Aïe, putain, je me cogne de partout. Aïe, putain, en plus, je me pète la gueule. Il manquerait plus que ça maintenant, je me casse la jambe. Hop, wow, le maillot de Levante. Ouh, maillot de Sivasspor, il est joli, je le garde. Hop. Les gars, je fais vraiment, vraiment au plus vite. Oui, vous avez bien vu que ça bug. Lucas Podolski, j'en veux pas, mais on va le mettre là. Ah, yes, Moussa Sow, je le voulais également pour une ligue turque. Cédric qui est passé hors cette année. Hop. Hop, hop. Bon, après ça, on va le jeter, ça m'intéresse pas. Oh, pardon, excusez-moi là, les gars, mais le coca qui remonte. Allez. Oh là là. Frasse, clair. Casemiro, ça peut être pas mal, Casemiro. Le seul souci avec les équipes de D1 portugaise, c'est que c'est. C'est quoi ça? C'est de la dope. C'est que c'est quasiment que du Porto Benfica, voire Sporting, un peu pour ceux qui veulent pas faire que du deux clubs quoi. Mais allez, oh là là, Thibaut Tchouk quoi. Rossi, il joue lui. Ok, d'accord. Montella. Ouais. Bon les gars, pour l'instant, on a vraiment même pas eu un boost. On n'a même pas. Ouais, c'est. Ah, pas. Ouais, bah, ça fait toujours plaisir, c'est le début de chute, les gars, franchement. C'est juste là, c'est vraiment le plaisir de vrai des packs. Bon, bien sûr, on essaie toujours de choper un gros joueur ou des boosts. Mais là, on a eu Mels quand même, et c'est le plaisir d'ouvrir des packs, franchement. Cassia. Ouais, non, je vais pas les garder. Parce que ouais, ça m'intéresse pas. Moi, franchement, les gars, je vous le dis, je veux pas garder les joueurs qui m'intéressent pas, à part ceux qui peuvent peut-être se vendre. Je vous le dis, c'est chaud quand même de parler pendant depuis 5 à 3 minutes que je parle. Je parle tout seul. Heureusement que mes parents ne sont pas dans ma chambre ou dans la chambre d'à côté. Parce qu'ils me prendraient pour un zinzin, tout simplement. Ça en fait des packs encore, ouais les gars. Je crois que là ça en fait 40. Ou 50. 50. 50. 50 packs encore. Alors on a eu un rare dans les doublons. C'est Yann Mvila. Le maillot du FC Nantes aussi, bon on n'y est pas encore là, on traîne sur le contrat bien évidemment. Bon, voilà, j'ai fumé vite ma clope parce qu'il pleut chez moi à Montpellier. Et je me gèle, je suis torse nu, je me gèle. Ah, aïe, putain, je me fais mal, je vais me fracasser avant d'aller au boulot quoi. Allez, voilà. Maillot du FC Nantes. Oh, il est vraiment beau quand même, maillot du FC Nantes, c'est vrai. Hop. Bon, on est déjà à 67 000 crédits, il reste 50 packs les gars, je pense qu'il y en a encore pour bien 20 minutes. Ça va être long à upload, ça va être vraiment, vraiment, vraiment long. Tac. Gurpegi. Caceres, pas mal, ça je garde. Ah, il fallait que ça. Ah merde, ça aussi je voulais garder.
Il fallait que ça tombe, ça, il fallait que ça tombe, bien évidemment. Ouais, après Gurpeggi et Frey. Frey, ça va faire 3 fois qu'on l'a. On continue. Allez, Messi, si tu pouvais me donner quelque chose de bon. Caric. Caric, bon. Caric, pardon. Le maillot de l'Autriche. Non, le logo de l'Autriche, pardon. Franchement, les cartes, elles sont vraiment. Ils ont gardé le même design. Elles sont jolies, elles sont vraiment jolies. Maillot du FC Lorient, ouais, il est pas mal. Cédric, on va le mettre sur la liste. Bon, après ça. Hop. Hop. Allez, Eden. Donne-moi un gros joueur là pour les quelques packs qui me restent. Moreno, d'accord. Non, mais il a 4 étoiles. Okay. Bon, Thauvin, je vais le garder. Hop. MLS, je sais pas. Ça va peut-être se vendre. Logo des Pays-Bas, je vais garder parce que c'est une des équipes nationales que je préfère avec l'équipe de France. Allez, continue, 6900 points, ça en fait, ça en fait. Delanley, oh, ah, dommage, il est dégueulasse en tir. Les gars, je vous l'avais dit, il fallait que Fatih Terim y tombe. Il est tombé, Fatih Terim. C'est cool. Pour ma putain, mais je m'aurais pas me tromper. Pour ma Ligue turque. ATMOC, Campagnaro, il a regagné de la vitesse. Ça c'est cool. Et Tema, je vais le garder parce qu'il est. Je l'avais testé lors de mon Road to Glory sur Foot 14. Et vraiment, et Tema, j'y valais le coup. Il était vraiment, vraiment bon. Allez. Oh, Touré, putain, j'ai cru que c'était Yaya. Et c'est Colo. Ouais, Carvalho avec son 59 de vitesse, par contre, ça le fait pas. L'Egypte, d'accord. Mais je vais pas tester que le mode fut ce soir, je pense que je vais tester aussi le mode club pro. Je vais faire plein de trucs, je vais tester plein de trucs, je vais essayer de. Erkan Zengin, c'est ça, c'est. Non, c'est Tolga, pardon. Tolga à Leroy Fer, ça c'est cool ça. Ça c'est cool pour une BPL. World James Milner, si ça pouvait être Navas à la place de Milner, ça serait mieux. On dirait qu'ils ont mis des nouveaux stades parce que celui-là il était pas avant là, le boy beau. Attendez, je vais lire de côté. Bollen Ground, Stadion Europa. Ouais, ils ont mis des nouveaux stades. Ça, c'est cool. Tous les stades de BPL apparemment ont été modélisés aussi. Tac. Bon, je vais pas regarder stade d'argent, franchement. Allez. À 57 minutes, quoi. Je passe. Gabi. Cool, Gabi. Hop. Me demandez pas pourquoi les contrats argent je les garde pas, c'est tout simplement parce que voilà les contrats argent je vais rien en faire. Voilà. Allez, putain, faut j'essaie de me dépêcher. Hop. Wellington, Gaïda Fofana qui est passé hors. Nagatomo, ça m'intéresse pas, il sait même pas faire un tir avec 154, on va pas aller bien loin. Et merde, je l'ai gardé, bon c'est pas grave, voilà. Hop hop hop, Mad et Neoxyd, supporter Benfiquista, le Pecouzwol. Allez. J'espère que demain on va choper quelque chose parce que là pour l'instant on n'a pas chopé un boost ni rien. Oh là là l'horreur. Oh le pack de merde, en plus Aogo encore. Hop hop. Benfica, en plus le logo encore de Benfica. S'il retombe une fois, je le garde. Ça c'est un signe. Ça veut dire qu'il veut venir dans mon club. Le logo, il veut être là, il veut être présent à la place de ce logo que j'ai. John Utaka, l'ancien Montpelliérain. Eh oui, John. Dommage qu'il ait que 3 étoiles par contre. Ça m'a blasé d'un coup. Ça m'a blasé d'un coup que John Utaka ait que 3 étoiles de geste technique. Alors que c'est vraiment un joueur rapide, technique, agile. Enfin, franchement, un très très bon joueur. Allez. Ah, Dzeko. Edin Dzeko. Bon, ça je vais pas le garder, j'aime pas Dzeko. Farman, ouais, si j'ai pas de gardien de Bundes. Alexander Tetey. Ça je vais mettre sur la liste parce que ça doit se vendre. Ça doit pas mal se vendre, Tetey. Peut-être 400, 500. Ouais, 500 crédits, mais au début les gars, faut faire le mort de faim. Faut faire le mort de faim. Avec niveau de crédit, on est tous ric-rac au début. Donc, allez, non, putain. Allez, putain, non, pourquoi ça fait ça là? Voilà. Voilà.
75 555 crédits. C'est pas mal. Hop, Joufre. Rudy Garcia, yes. Entraîneur pour ma Serie A. Asanala, d'accord. Casemiro, ouais, allez, hop. Bon, les gars, je vais parler moins fort pendant quelques temps parce qu'il y a ma mère qui arrive ou mon père. Donc voilà. Si vous entendez parler, c'est normal. Je skip, je skip. Allez. Oh là là. Cocorine. Oh non. Ah, ils l'ont mis Jesus. Clout, ça je vais le mettre. Je vais les transferts. Le maillot du Benfica, on va le garder moche. Pour bien le sponsor et pour bien le nom du maillot. Moche. Allez, Eden. Eden Hazard. Pedro! C'est lui, voilà, c'est lui Zengin. Erkan Zengin. Yes, Pedro. Merde, j'ai mis sur la liste des transferts, il faudra peut-être que je le garde. Hop. Logo du bas, Sébastien. So, on va le mettre sur la liste aussi. Allez, Schweiger. Caléron. Ah, c'est pas mal, c'est sympa Caléron. Hop. Le logo de QPR. Le de Osasuna. Allez, Timo Ward. Il reste 5100 points, les gars, à ouvrir. Ah, Serge Aurier, c'est cool. Yes, pour ma Ligue 1. Voilà. Pardon. Hop. Non, 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 je veux pas garder ça, je veux pas garder ça, je veux pas garder ça. Putain, 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 c'est en train de m'énerver. Attendez, je reviens, j'ouvre le pack, mais je reviens, les gars. Ouais, donc voilà les gars, je suis de retour. J'étais juste allé voir si ma mère elle était en train de se changer en mère en pyjama ou si elle allait se coucher. Elle va se coucher donc je vais devoir parler moins fort. Donc si on chope un gros joueur, bah, je vais malheureusement essayer de contenir ma joie. Donc voilà. Bah, on est déjà depuis 1h03 quoi. C'est long. Allez, Boetius. Bon, Boetius, on va regarder. Hop. Walker. Oh yes, Kevin Mirallas, David Luiz. Yes, yes, yes. Combien ça vaut? Combien ça va pas valoir? Peut-être très cher, je pense pas. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, ça vaut pas mal. David Luiz, voilà. Je pense que je vais le revendre comme je vous ai dit, les gars, je vais prendre des joueurs pas chers au début pour les premières divisions et tout ça, enfin pour les derniers, pour la 10e division tout ça, et je le rachèterai dans quelques temps, hein. Il n'y a pas de souci, moi je m'en fous. Le but de flûte au tout début, c'est de mon but à moi, c'est de vous proposer des équipes pas chères, efficaces. Donc voilà, franchement, Last Chone qui a marqué un superbe coup franc
au Paris Saint-Germain, contre le Paris Saint-Germain. Hop. Oh, ça, on va regarder tout ça quand même. Putain. Voilà. Ça, c'est un bon arrière, les gars. Allez. Ah, Delta Rapt, yes. 5 étoiles, j'ai technique, toujours aussi fort hein, ce Delta Rapt. Aurier, je sais pas combien ça vaut, Aurier. Peut-être dans les 2000. Mais si. Mais si. Matuidi. C'est bon ça, les gars. Ça fait plaisir, Blaise Matuidi, Blaise Matuidi. Cool. Je vais baisser le son de ma télé. Oh, Toby Elder Viral, ça doit pas se vendre. Et on a eu quoi? Théréau, Castro, Guilherme. Bon, je les garde pas. Pff, je suis en train de mourir de chaud dans ma chambre. C'est un truc de fou l'été. Enfin, l'été, quand je meurs de chaud et l'hiver, je meurs de froid. C'est tout rien, moi, les gars, dans ma chambre. J'espère qu'on m'entend bien. Peut-être à ce moment-là, je mettrai la musique pas trop élevée. Lombaerts. Ou pas bonne. Ou pas bonne. Ouh. Aurier encore les gars, c'est c'est pas mal. Maillot de la Bolivie, ça va être le faux. Ouais. Heureusement que j'ai mis la pile à 100 quand même. Allez, 3900 points encore. T'as toujours pas un... Oh putain la Véti. Oh attendez, je mets juste ce que je vais garder dans mon club. L'avait dit les gars, c'est pareil. L'avait dit, je vais le vendre. Je le rachèterai plus tard. Je vais me faire des équipes pas chères, manière de garder quand même pas mal de crédit. Bon, à part si je touche un énorme joueur, je le garderai, l'avait dit. Mais ouais. C'est cool. Ça fait plaisir. Ça doit valoir peut-être quoi, 10 000, 15 000, je pense. Ouais, voilà, vous voyez. Ouais, je... Ouais. On va le placer quand même. Ça fera toujours des crédits en plus. Souvent on enchaîne les joueurs du PSG quoi. Que Aurier 3 fois, David Luiz, Lavezzi, Matuidi. Peut-être Zlatan avant la fin des 3600 points qui me restent. Enfin des 23 600, mais vu que je joue encore 3600 points. Si on chope un gros joueur là par contre, je dois continuer ma joie, mais croyez-moi le cœur il y sera vraiment vraiment vraiment. On a eu quoi? Alba. Ah, Jordi Alba. Ça vaut combien Jordi Alba? Crédits. Je le vends, je le garde pas, je prends un arrière gauche, genre Tremoulinas. Karim Edel, je vais garder. Hop. 20 000 crédits. Emels, 15 000 crédits. David Luiz, 9 000 crédits. Lavezzi, 9 000, 8 000 crédits. Enfin, je sais pas. Reiter. Ouais, il est parti de Fulham, Reiter, d'accord. Salvio. On va dire l'Irlande du Nord, il va voir forcément le vrai maillot, je pense. Vu que c'est United Kingdom. C'est du Royaume-Uni, donc forcément. Ça, ouais, ils ont le vrai maillot. 40 éléments déjà dans ma pile les gars. 3300 points, il nous reste 22 packs. 22 packs. Allez. Faut avoir Viscarondo pour postiguer encore quoi. Oh le maillot, je vais plus pouvoir voir les joueurs de Bordeaux dans ce FIFA les gars. Il marcelle.
Ouais, ouh, pas mal. Il est joli. Jackson. Jackson Martinez. Yes. Yes. Jackson. C'est toi. Excusez-moi. Oh non, Trinité, je le garde pas. Attendez, je réponds un texto à une meuf. Voilà. Non, 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 pas 7500. On va ouvrir des points FIFA. Ok, c'est génial. Il me donne des joueurs full air. Des joueurs argent, quoi, dans un pack or. Heureusement qu'il me donne 1000 crédits pour me dédommager de cette grosse merde. On va gagner quoi? 500 crédits sur le pack. Voilà. Allez. Semi-sen turc. Jung. Ouais, Jung, on va le mettre là. Ouh, le stade d'Anfield. Ouh, le stade d'Anfield, les gars. Ouais, le stade d'Anfield qui va être mon stade clair et net. Pour l'instant. Hop. Hop. Je le mettrai après la vidéo, sinon on va perdre du temps. Hop. Oh, Timo Ward. Timo Ward. Ça vaut combien ça? Bon, ça sera sûrement. Timo Ward, Timo Ward, Timo Ward. Ça doit avoir 5000 peut-être. Ouais, voilà. On va le placer sur la liste des transferts. Hop. Eboué, Llorente, Bayalsal, Kujatcheol, Idrissa Gueye. C'est long. Hop, voilà, on va jeter tout ça. On arrive bientôt à la barre des 100 000 crédits, les mecs. Bientôt à la barre des 100 000 crédits. On va skipper. Schneiderlin, ça c'est bon. Gace, c'est comment il s'appelle? Le Johannes Gace, ok. Il est pas mal, il a des bonnes stats. Il a des bonnes stats. Je vais le garder. Hop, Diego Milito, d'accord. Josué, non, Josué, j'en veux pas. Ouais, les contrôles, les styles et la forme équipe. Je suis vraiment désolé les gars de pas pouvoir parler trop fort, mais bon, je respecte mes parents. Ils se lèvent aussi tous les matins pour aller bosser, donc voilà, je peux pas parler trop fort, je m'en excuse. Je montrerai peut-être le son lors du montage de la vidéo, je ne sais pas, on verra bien. Et Volkan Demirel, je vais le garder. Abdoulaye Konko aussi. Ah, Jigar, Jigar, pas mal, Jigar. Non, en fait c'est sa stat en passe en fait qui me fait peur. Vraiment pour être mieux défensif, si t'as pas une bonne relance, t'es un peu dans la merde. Dans le jeu, hein, parce qu'en vrai. Allez. Oh putain, c'est ça les gars qui m'a fait mettre autant de temps. Parce que normalement j'aurais pas mis autant de temps. J'aurais mis même la moitié, je pense. Peut-être la moitié ou trois quarts du pack opening, mais genre en niveau temps, je pense que je serais déjà peut-être à 45 minutes.
Elton, ouais, je vais le garder. Ça fait Safiani, je sais pas quoi. Ouais. On va le garder, moi, Tottenham. Lui, il me saoule à l'avoir depuis tout à l'heure, du coup, voilà. 1800 points, les gars. On gardera le reste pour demain. Dante, yes. Yes, papa, Mevlüt Erdin. Lucas Barrios. Enfin, je vais le mettre en pointe. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, je vais le mettre en pointe de mon attaque. De mon attaque Ligue 1. Hop. Taban Bazdod, José Mourinho. Le bon maillot de Lanus. En plus, il a la couleur de la. Enfin, non, il n'est pas de la merde, il est rouge grenat. Marron même, j'ai un marron. Marron, marron. Allez, Outre, ok. 86 de. Ouf, 86 de physique. Ok, Vitorino Hilton. Bon, je l'ai juste pris comme ça pour me faire une team Montpellier, les gars, pas pour me faire une team compétitive, hein, loin de là. Grisi, donne-moi quelque chose. Le point, d'accord. Rutter, Ananidze. Oh les gars, c'est un truc de fou tout le nombre de trucs que j'ai là-haut. 707 éléments là. Le Bahia Blanca. Ouais, d'accord, bon, je m'en fous du Bahia Blanca. 8 packs, on aura mis du temps. Grinqvist, Costin, Astori. On va le garder. Ah non, je vais pas la garder. Et Libertador. Allez. Faudrait que pour le dernier pack, on ait quand même quelque chose de lourd. Ce serait pas mal. Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, ça doit valoir pas mal ça aussi. 8000 crédits, Aaron Ramsey. C'est pas un joueur que j'apprécie. Plus 5 formes, ça faut le garder. Est-ce qu'il a 3 étoiles? Ouais, ça c'est cool, Ajrovic. Oh non, il est vilain ce maillot, il est trop jeune. Il est vraiment trop jeune. Robin Van Persie. Robin Van Persie, ça meurt la pute. Je peux pas gueuler les mecs. Robin Van Persie. En plus, je viens de vous dire quoi, j'ai dit il faut qu'avant la fin du pack on chope quelque chose pardon, ça serait vraiment pas mal. On chope quoi? RVP, Mr. Robin Van Persie, 80 000 crédits. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Mais je vais le revendre parce que là, je vais le vendre tant qu'il vaut cher, tant qu'il coûte cher, pardon, je vais le vendre tant qu'il coûte cher parce que sinon. Oh putain, Robin Van Persie, compère. Rodel, Volchide, les Girondins, c'est pas possible, ils me maudissent les Girondins. 4 packs les mecs, 4 packs. Allez, Team Krul. Ouais non, je le garde pas, il a un positionnement dégueulasse. Hop, hop, oh le stade de Dortmund, le Signal Iduna Park. Barrow Vero les gars, je sais pas combien de fois on l'a eu, mais c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Non, c'est Giovanni lui? Non, Jonathan. Jonathan. Ah, 2 étoiles jet technique. Ah, Isla, 57 en tir. Oh là là. Ils l'ont flingué, le pauvre Isla. Oh là là, Van Persie quand même, les gars, c'est énorme. Je peux pas gueuler. Mais. Hi, Walcott. Voilà, hop. De toute façon, j'en veux pas, j'aime pas Walcott. Voilà. Rouli. Ça me dit quelque chose son nom. Slimani, ouais, non, il est fort, il est super bon en vrai, mais dans le jeu. Ouais, c'est le catalyseur. Ça, non, je pense que je vais le mettre à vendre parce que je m'en fiche un peu. C'est pas un style que j'aime, le catalyseur, voilà. Maillot de Palerme, c'est lequel? Ah oh, putain, c'est pas le rose, dommage. J'aurais mis le rose.
Bon les gars, dernier pack. Dernier pack, est-ce qu'on va avoir quelque chose de lourd? Skip. Ah mais Benedicto Vélez, c'est pas mal. Bon les gars, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce premier pack opening sur ma chaîne vous aura plu. On a quand même pas mal de bons joueurs hein, dans l'ensemble. J'essaie de vous la poster mercredi en rentrant du boulot. Ça fait que normalement elle sera peut-être disponible vers 18h. Et dans la foulée, quand je rentre de mon match, j'essaie de vous poster la vidéo de l'autre pack opening. Special Team of the Week numéro 2. Donc voilà, c'était TheRemio34 les gars. Je vous dis à la prochaine. Même à très 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 vite. Allez, bye tout le monde.